la compagnie. Voici une nouvelle vidéo, c'est un book haul de Montreuil. Bon, il y a quelques livres par-ci, par-là qu'on a acheté avant Montreuil. Ou après Montreuil. Ou après Montreuil, qui n'était pas avec Noël non plus, donc voilà. On savait pas trop où les caser, on n'allait pas vous faire un book haul pour 5 livres. Du coup on les a mis là. Voilà. Vous nous pardonnez. Et j'espère que vous nous pardonnez aussi de poster une vidéo sur Montreuil. Plus de 2 mois après, je pense. Je sais pas trop quand on va vous le poster, mais ça doit être au moins un mois et demi après. Désolée. Bon allez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la seule et unique BD que je me suis achetée. Et oui, il s'agit de Mortel Adèle. J'avais dit à Mr. Tan l'année dernière que je finirais la saga, enfin que je serais à jour dans la saga quand j'irai le voir. Du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté sur le salon le dernier tome, donc le tome 11, Ça sent la croquette, de Mr. Tan et Diane Le Fayet. Avec le retour de notre star préférée, Owen. Du coup, j'étais plus que ravie de l'acheter et de le lire dans la file d'attente en attendant cette dédicace. C'est LDK de Ayu Watanabe. Merci Laurie. Aux éditions Pika. Voilà, merci pour mon bel accent japonais. Splendide. C'est l'histoire d'Aoi qui vit dans son appartement toute seule. Et elle se rend compte que son voisin, c'est son pire ennemi à peu près. Et aussi le beau gosse du lycée, depuis qu'il a en fait, c'est son pire ennemi parce qu'il a repoussé sa meilleure amie à elle. Donc elle doit lui vouloir par solidarité et en fait elle se rend compte que c'est son voisin. Et par une raison que je ne vous dirai pas, il finit par aller habiter chez elle. Voilà, c'est de là que ça commence. Génial hein. Ambiance. Je vais poursuivre avec de shonen, donc les mangas garçons pour tous. Avec en premier lieu Fairy Tail Zero d'Hiro Mashima aux éditions Pika toujours. Et en gros je l'avais déjà lu et celui-là je l'ai pas acheté à Montreuil, je l'ai acheté après Montreuil. Mais comme on l'a dit c'était avant Noël et après Montreuil donc voilà. Et ici il va s'agir de l'histoire de la création de la guilde de Fairy Tail. Et moi je l'avais déjà lu parce que je l'avais lu en scan à l'époque où je lisais encore les scans, ce qui n'est plus le cas maintenant. Du coup je l'ai pas vraiment lu, j'ai juste lu la fin avec une interview de l'auteur. Sympathique à propos de Fairy Tail Zero et j'ai été ravie de l'acheter. En plus je sais pas trop si on le voit mais par rapport au manga il est super épais donc c'est d'autant, enfin c'est un gros bonus voilà. On va dire et c'est vachement cool, voilà. Donc pour les fans de Fairy Tail c'est vraiment bien. Ah ouais, il est super. Et deuxième shonen, il s'agit de Buster Kill le tome 2 aux éditions Kana de, attention les oreilles à nouveau, Kenshiro Sakamoto. Et en gros, pour vous faire un pitch, vous mélangez Pokémon, Naruto, Fairy Tail, vous secouez bien fort, et vous avez Buster Kill. Et c'est une série finie en 12 tomes, et ça fait 120 ans que j'ai le premier tome, et que je ne vois le deuxième tome nulle part. Je l'ai vu à Montreuil, je me suis dit, allez vas-y, prends le deuxième. Bon, c'est pas un update, je l'ai dit il y a 2 minutes, mais je tiens à dire que je le conseille seulement aux personnes qui... Comment dire ? Qui ne sont pas dérangées, que ça ressemble beaucoup... à Naruto, Pokémon et Fairy Tail. Parce que pour le coup ça ressemble vraiment vraiment beaucoup. Mais moi je trouve ça drôle parce que l'héroïne c'est clairement Lucie, le héros c'est clairement Natsu, l'autre garçon qu'on découvre un peu plus tard c'est clairement Gray. Enfin bref, on retrouve vraiment les personnages et en fait c'est comme si vous lisiez une fanfiction. Du coup c'est rigolo parce que l'auteur en a fait ce qu'il voulait. Mais on a l'impression que c'est toujours un petit peu Fairy Tail, vous voyez. Donc pour les gros fans à nouveau de Fairy Tail, mais qui n'ont pas peur de détourner leur série préférée, c'est bien aussi. Je me suis achetée, juste avant d'aller faire ma dédicace à Christelle Dabos, Les fiancées de l'hiver, tome 1 de La Passe Miroir, bon aux éditions Gallimard. J'ai ma petite dédicace, je vais quand même vous la montrer vite fait. Voilà. Je suis sûre de la mise au point. Vous commencez à connaître l'histoire depuis le temps, c'est Ophélie qui est promise à Thorne et qui doit aller dans son... monde un peu, c'est pas vraiment un monde mais c'est pas vraiment un pays non plus vu que c'est de la fantasy. Elle doit aller là où il habite, là où il fait froid, là où son mari est froid, pas encore mari mais là où son fiancé est froid, et elle doit s'adapter à sa famille qui a des pouvoirs comme tout le monde car les pouvoirs sont déterminés par famille et les leurs sont spéciaux, voilà. Enfin c'est les pouvoirs quoi. J'enchaîne avec du fantastique, Le Noir est ma couleur de Olivier Guay aux éditions Rajo. C'est le premier tome, Le Paris.
C'est l'histoire de Alexandre et de Manon. C'est un peu stéréotypé. Alexandre, c'est le bad boy du lycée. Manon, c'est l'intello. Et voilà, c'est très cliché. Et Alexandre lance le défi, le pari d'aller de mettre Manon dans son lit, on va dire. Voilà. Sauf que ce qu'il ne sait pas, ou ce qu'il découvre après, vous saurez, c'est que bah dans la famille de Manon, il y a des pouvoirs. C'est pas juste la petite intello. Lié aux couleurs. Quand je suis allée au fameux SLPJ, de son petit nom, j'ai vu un livre qui est sur ma wish depuis une décennie. Mais genre vraiment, il est là depuis une éternité. Et je l'ai vu, et je me suis dit, mais c'est une trilogie ça normalement, pourquoi il n'y a qu'un seul tome? Quand j'ai demandé aux nanas du stand, elles m'ont dit, ah non, mais c'est le seul tome sorti en poche, donc je pense que c'est une intégrale. C'est tout fin, hein, qu'on se le dise. Et du coup j'ai découvert par la suite que c'était le seul tome pour l'instant sorti, j'espère que c'est un pour l'instant, de la trilogie Le Dernier Jardin de Lorraine De Stefano aux éditions Castelmore. Du coup là c'est la version de poche. Comme je disais, ça fait tellement longtemps que c'est dans ma wish que je ne sais plus trop de quoi ça parle. Je sais juste, si je dis pas de bêtises, que les personnes de plus de 25 ans, enfin ils ont réussi à créer un monde idéal, mais toutes les personnes, enfin à partir de 25 ans vous mourrez en fait. Enfin, il y a personne de plus de 25 ans quoi, dans leur monde. C'est une dystopie, vous l'avez compris. Je me suis acheté au SLPJ Delirium 1 et ma maman m'a acheté pour mes beaux résultats Delirium 2 de Lorraine Oliver aux éditions Livre de Poche Jeunesse. C'est un monde dystopique où l'amour est interdit, même le mot est interdit. Et à 18 ans, tout le monde se fait opérer, on va dire, à Portland pour enlever la capacité d'aimer. Que ce soit amour, amitié, ça n'existe plus. Aimer n'existe plus et il y a un problème, on va dire, dans cette société, un peu le but des dystopies, tout ça, vous verrez bien. Et ensuite, dernière dystopie à présenter, mais là pour le coup je m'excuse, je suis pas sûre que ce soit une dystopie. Mais je savais pas où le caser sinon, donc je l'ai laissé dans dystopie. Il s'agit de Frozen de Melissa de la Cruz et Michael Johnston. C'est le tome 1 et c'est chez le Livre de Poche Jeunesse. Et là pour le coup je sais juste que c'est une nana qui est sous couverture ou je sais pas quoi dans un casino et qui doit se barrer parce qu'elle s'est fait cramer. Sauf que pour se barrer, elle a accusé quelqu'un d'autre, sauf qu'il se trouve que le quelqu'un d'autre, elle le croise dans sa fuite et elle est obligée de faire équipe avec. Ou un truc dans le genre, mais je sais plus exactement. Et du coup bah j'ai vu qu'il était sorti en poche, ce que je ne savais pas. Du coup je l'ai pris parce que pareil, ça faisait longtemps qu'il était dans ma wish, à attendre patiemment. Il est dans ma palle maintenant, il est plus dans ma wish. Pour les romances sans fesses, il y a Paradise de Simone Henkeles aux éditions Livre de Poche Jeunesse. Je ne sais pas de quoi ça parle. Voilà, enfin, les suivants. Je sais que c'est une romance, du moins je crois, mais je n'en sais pas vraiment beaucoup. Désolée. Donc c'est tout ce que vous saurez vous aussi. Ensuite, une romance avec fesses. Ouais. Si je les trouve de Cora Carmack aux éditions Livre de Poche Jeunesse. C'est l'histoire de Bliss, qui a décidé que ce soir, ça y est, elle allait perdre sa virginité. Ouh. Et du coup, elle va au bar avec son ami, meilleur ami, je ne sais plus vraiment. Et elle rencontre un garçon, mais qui lui plaît énormément. Sauf que elle finit par aller dans sa chambre et elle se dégonfle. Elle le plante. Taïo. Sauf que le lendemain, elle se rend compte que c'est son prof de théâtre. Voilà. Ouais. C'est drôle, hein. Pas pour elle. Non. Pour poursuivre, nous allons aller dans la catégorie contemporain. Et on va commencer la catégorie contemporain avec Tant que nous sommes vivants, d'Anne-Laure Bondou, aux éditions Gallimard, dans leur collection de Pulp Fiction. Merci le de jaune dégueu. Ce livre-là, il n'était pas dans ma wishlist, mais je l'ai vu, en poche. Sachant que Audrey du Souffle des Mots l'avait adoré, je me suis dit, vas-y, c'est en poche, ça va pas te ruiner. C'est bon, c'est pas le bout du monde. Sachant qu'en plus j'avais adoré une lecture qu'avait conseillé Audrey. Du coup je me suis dit c'est l'occasion parfaite. On verra si je suis toujours d'accord avec elle. Et ici il s'agira de suivre Beau et Ama. Et en fait je serais bien tentée de vous dire qu'on suit leur romance. Mais c'est pas vrai. En fait on suit leur vie à partir de leur rencontre. Et du coup c'est plus un contemporain qu'une romance, vous voyez. Parce qu'on suit plus le cours de leur vie. Vous vous suivez. Bref, voilà. Vous avez compris, je suis sûre que vous avez compris. Ensuite, nous avons Essie, qui est si connue, de Rebecca Donovan aux éditions Dégagé. Ça cale
qui rencontre Nicole et il la reconnaît parce que c'était son amie d'enfance, mais cette femme dit s'appeler Niel. Il doit découvrir qui est vraiment cette femme. Je n'en sais pas vraiment plus parce que je ne l'ai pas encore lu et je n'ai pas vraiment voulu découvrir de quoi ça parlait. Je me suis juste dit, oh Rebecca Donovan, bah pourquoi pas. Oh Rebecca Donovan, oh je prends, oh viens. Pour continuer avec les achats de Montreuil, mon dernier achat a été Gaspard des Profondeurs de Yann Rambaud aux éditions Livre de Poche Jeunesse à nouveau. Ici, je vais pas trop vous en dire, juste dire que c'est l'histoire d'un périple contemporain, celui de Gaspard, vous l'aurez compris. Mais je l'ai laissé en contemporain parce qu'on se demande si ça joue sur l'imagination. Mais c'est tant du contemporain que du fantastique un peu, enfin, ça fait un peu mystique, witty, enfin, c'est très joli, très sympathique. Je l'ai lu, vous l'aurez compris. Et donc je l'ai acheté grâce aux recommandations de Pauline de la chaîne Patatras, qui avait lu le suivant, qui est Jessie des Ténèbres, si je dis pas de bêtises, et qui lui avait beaucoup plu. Mais comme c'était le tome 2, je me suis dit je vais peut-être commencer par le tome 1, contrairement à elle, qui a vraiment lu que le tome 2, parce qu'ils sont séparables les uns des autres. Et du coup j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte de lire le suivant, mais pour ça il va falloir que j'attende qu'il sorte en poche. Et oui. Et enfin dernier livre pour ma palle, même si celui-là est directement sorti de ma palle ou presque. Il s'agit du Silence de Mélodie de Sharon M. Draper aux éditions Michel Lafon, que j'ai acheté grâce aux ventes privées, showroom privé, mais peu importe, que j'ai adoré. Il s'agit de l'histoire de Mélodie, donc, merci Clémentine, on m'avait pas deviné, qui est ce qu'on... Enfin, je sais plus comment s'appelle son syndrome, mais en gros, elle est handicapée physique, mais pas mentale. Et le truc, c'est que elle est super intelligente, mais son corps ne lui permet pas de parler. C'est un peu emmerdant. Du coup, tout le monde la prend pour une débile. C'est un peu emmerdant aussi. Et pour clore ce book haul, nous avons Cœur Cerise de Cassie Cassidy aux éditions PKJ Poche. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je sais juste que les filles au chocolat sont vraiment super connues. Je savais que c'était léger, jeunesse. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Zou. Je me lance là-dedans et je me suis pas encore lancée, mais je vais me lancer. Promis. Mais les yeux fermés parce que je sais vraiment pas de quoi ça parle. C'est que c'est jeunesse, c'est tout. Bon, et bien ce sera tout pour ce petit book haul. Ça va, c'est raisonnable, on va dire. De Montreuil et plus, un petit peu plus. On espère que cette vidéo vous a plu, qu'on vous a éventuellement donné envie. Si vous avez lu certains des bouquins, et notamment si nous on les a pas lus, si vous voulez nous donner envie de les lire, faites-vous plaisir. On vous souhaite d'excellentes lectures, on vous dit à la prochaine. Ciao.